Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur chaîne là que vous avez une information sans problème. Moi toujours dit Jimmy Cherizier son policier parce que pas un ancien policier vrai. Puisque, avec la préformation, l'État investit sous lui, ça qu'arrivait qu'ils sont policiers révoqués. Mais, les policiers pour la vie. Mais, ils sont policiers qui pas en fonction, mais un policier révoqué, un policier qui abandonné. Jimmy Cherizier, Kouen Konel, c'est RNDDH, Pierre Espérance, qui transformait Jimmy Cherizier. Premièrement, dans sa hauteur, les massacres dans Grand Ravine, ou songez, ça qui passe dans Grand Ravine, là, nous, en novembre 2017, le monsieur al prend Maranatha, l'école Maranatha, deux policiers perdu la vie, mais tout, t'es gagné en dizaine de monde qui t'es mouru. Depuis le ya, on dit que, n'est-ce pas, fait massacre depuis le ya, barbecue, dans viseur, Pierre Espérance. Et à remarquer, quel que soit ça, n'est grave une fait, Pierre Espérance pas dénoncer. Algade, al Lyon, Algade, suive Pierre Espérance. Dans tout parcours, il y a des groupes gang qui ont fait des bagailles, ou après, le pape dénoncer. Mando vous fait que RNDDH, je ne veux pas parler de Pierre directement, mais parler de l'institution, ça a des groupe gang armé qui fait des actions ou après par exemple dit aucun rapport contre yo pas aucun commentaire n'est fait sur ça et puis point boule suivre ça me doulan bien sous intelligent question la saline n'a pas passé et puis n'est fin monter rapport yo et puis yo fouiller Jimmy Cherizier. Jimmy Cherizier qui trouvait l'on situation côté que il dit il pas cal en prison d'ailleurs c'est une ghettolier son nèg qui levé d'Elma 6. Il était très important pour lui de faire un choix. Il choisit M. Gang Armé. Mais, contrairement à des nègres qui levaient, ou bien depuis un petit jeune, dans le mouvement gang, ce n'était pas le cas pour Jimmy Cherizier. Il faut nous reconnaître ça. Mais, il vient quand même un groupe armé, il vient un chef de gang. Et, lui, avec leadership, li, surtout, il crie ça aurait en forme de fédération qui était plusieurs de l'autre groupe là-dedans. Vous songez, monsieur était monté juste Grand Ravine pour la laisser sensibiliser des nègres pour faire partie de G9. G9, alliés et famille. Mais G9 a toujours gagné 9 groupes armés, 9 groupes gangs qui, eux-mêmes, dans un compte, dans toute activité, sont solidaires dans le mouvement. Mais G9 toujours dit que li pa nan kidnapping. Mais G9, d'accord que li genyen de mamblik nan volé. Et gen même de nèg nan mambli qui kon fè ti koutou, qui kon fè, qui kon leve moun. Et des fois ou gen de moun yo leve en bas la villa, et puis nèg dou se base Grand Ravine ou bien village, mais nèg krache di fè yo, te kon fè ti mouvement leve moun tout. Mais, on bon note dans G9, te kon pas d'accord ça. Bah là, te vin calme, mais yo te toujours kon fè ça orele, rançonne moun, moun sot la banque yo, yo rale zam sou, yo pren l'argent. Et puis, ça kon rive que yo jwenn des contrats tout. Et puis, parce que pas oublié, nèg ki bandi armé ya, il est aussi un mercenaire. Ils sont mercenaires tout. Parce que ça k'arrive yo bal des contrats pour l'exécuter des moun tout. C'est mercenaire, oui. Craché dit fait, qui n'ont position qui pas tellement fin stratégique pour que li gagne un gros match de manœuvre dans en matière de gros entreprise cap financière, li même li dit, faut nèg mwen yo toujours fait la rue. Et puis nèg li yo toujours fait la. Mais depuis quelque temps, parce que premier bagage qui était supposé craser, éclater G9, c'était Mikano qui était décidé détourner plusieurs camions comme il faut. Parce que qui s'est passé?
Nèg qui en danger neuf yo, majorité là dedans yo, c'est des nèg gè des moun dans secteur privé ya, qui ka relé ou nan téléphone qui dit yo, monsieur, gè tel bay qui fin rive là, ban mon coup men la dan, pa blye. Nèg qui nan secteur privé yo, youn connecté ak lot, même si ça kon rive des fois, yo gagne des problèmes économiques, mais ses amis, c'est même équipe là, c'est même moun yo, c'est en roi yo ye, yo nan fait ensemble, yo nan toute activité ensemble. Donc si gon conteneur qui perdit ou bien on est en bas à voler, ou bien quand même on est dans le secteur privé qui t'a dit ça dépend dans qui jouent et bah elle a perdu hein, la prélé chef gang nan, dit chef gang nan, mon chef gè tel bagay, gade son café mais pour qui ça, parce que nèg qui dans le secteur privé a li kon traité avec chef gang nan. Je reprends, majorité nèg qui en bas la ville là qui dans gros business gros bagay secteur privé, li yo kon traité avec chef gang yo. Tande sa m'di, oui? Je ne peux pas oser parler de fin. Radio Mega. Si de préférence yo kon traité avec yo. Ça veut dire yo kon bay chef gang nan l'argent. L'argent à tous les niveaux. Sou rele le financement, parce que moi-même j'ai pas assez de preuves pour me dire que X ou bien Y kon financer, même ka di ou que on maison machine qui en bas gien droit fait chef gang nan cadeau machine. Bon regard ces éléments comme preuve nan même irréfutable que yo kon, même konnen yo traité avec yo. Yo ba yo l'argent, yo ba yo avantage, toute qualité bagay. Ça me connaît. Mais si monsieur qui nan craché du feu yo, qui pa gen trop marge de manœuvre en termes de gros entreprise qui a financer yo, dou y a fait la rio même. Et depuis après bah Mikano hein, au des Mikano fin détourné plusieurs camions et conteneurs comme il faut, on parlait même de 6 millions de dollars de marchandises et puis bah là commencé vin gâter. Nèg dit monsieur mouvement ça m'bac à la dan mouvement volé a et puis l'autre l'a dit non gars moi chez pendant bon mouvement volé a moi même pas aucune entreprise bon côté gè moun k'ap jero moun k'ap bon l'argent. Gè nèg en matière de gestion est difficile pour lui vivre sur. Mais si monsieur crache du feu toujours maintenant tête et quoi et penser que c'est barbecue à ti junior qui mange son son. Eh ben gardons bel local que moi me te connais parce que pas oublier c'est Simon Bellet moi était l'école à mes du salut me te connais et le fameux école du génie. Nous avons descendu dans l'asile communal là. L'asile communal là, nous avons donné de très souvent. Et bien, depuis quelques temps, dans la base l'asile communal là, c'est là que nous caché du feu, fait stockage matériel, tout ça au volé. Et là, nous détournons le camion, il y a débarqué là. Et bien, il y a un gros mouvement conteneur qui nous a volé, nous détournons le conteneur. Et puis, c'est ma clé avant. Tout nèg ki nan secteur privé ka roulé en bas la ville là depuis ou perdu un bagay ou ap vinn youn la dan ou bien zanmi nou ka prenon chef gang yo gen contact la ou gen moyen pou ça et puis ou pala ti junior gon kamyon ki perdu ti junior a essayé quand même récupérer conteneur comme chef etc. parler en pile bay nèg ou di monsieur non ba un conteneur bay et puis nan discussion m'apprenn chalet là les amener fusion monsieur un seul cartouche dans tête un grain cartouche et puis ti junior mouri plusieurs autres monde quand ça m'a ti junior yo mouri tout mais gain information que dit chalet mouri tout d'ailleurs Jimmy Cherizier barbecue pap jamais accepté on nèg vinn tuer ti junior comme ça parce que ti junior c'est que monsieur. Même si récemment, on a eu une discussion dans la question, et on a eu un vial, le valet de Yokanes, vous allez prendre deux fois de ces bagages. Mais vous avez dit, non, on ne peut pas quitter ça, monsieur. C'est une activité pour la caille. Mais c'était ces bagages que vous avez géré entre vous. Mais là, présentement, il y a un gros groupe qui a fait dans G9. Un groupe qui croit que il n'y a pas de monde qui a financé le fort, qui a volé. On loot groupe nèg qui dit yo même heureusement au gain de trois moun kap ba au ti moyen yo pendant mouvement volé. L'information c'est quoi? G9 main youn main tout
G9 allié famille, non situation extrêmement difficile. G9 perdu en pile plume. Jodi a la. Derrière tout ça, ça bagadaye. Eh bien, n'a pas venu avec information bientôt. Blanc, infiltré G9. Blanc, infiltré G9. Normalement, ce n'est pas une information, ça me dévoile d'une d'aller. Les difficiles en pile. Faut que Jimmy Jerizier barbecue. Gen gros loi avec elle. Les difficiles en pile, c'est je reprends. Bon plutôt me pas dire parce que tu as les nèg à couper et puis au lagué, yo dit moi t'ai dit. Bon. Moi pas qu'à faire comme ça. OK, parce que gon analyse ou essayer faire amonio, l'esprit monio pour que gagne monde qui pour gagne dimension ça pour comprendre de analyse. Par contre, me préférer pas dire rien de ça, c'est mieux. C'est monio pas gagne dimension pour comprendre ça. OK? Et m'pas pour aller ça. OK? Oui, carnaval là c'est 1998. Merci. L'autre niveau FM qui voulait pour moi. Et puis Mika qui vaut le pour moi tout. Coup d'état. Un carnaval 98. Ma boule pour nous n'importe là. Et puis n'a pas pris ces textes. Et m'pa. Hein? Ok. M'pa. Ok. Ouais, gagne qui était là, gagne des informations là. Gagne informations qui t'a fait comprendre chalet tombé. Après le film Touye Ti Junior. Guerri Henri. On va équiper dans la gueule là. Pas de problème. Et ça veut dire que G9 dans une situation qui est extrêmement difficile. Je dis à vendredi, bah, focus trop sur la fête de G9, etc. Oublier la toute première information. Harrington Rigaud, qui est directeur de l'Académie de police, là. Monsieur Mouri après-midi, hein? Image extrêmement et choquante. Nous pas qu'à garder tête monsieur fan en cartouche moi le dit gaillé à terre. Aïe, on va qui dit directeur général police là, il y a un problème, tout le monde mettre mouri dans pays à lui-même, c'est que lui là les postes lui c'est fonctionne, il va régler mais c'est lui là. Et puis si junior ensemble avec plusieurs lotes et gangs ou bien membres de groupes armés. Eh bien, Nexayo perdu la vie et gon combat acharné qu'a fait. Et puis devant, c'est Carpitris, pas trop remet et continue faire des analyses sur ça parce que pile bagaille est arrivé et dans moment que n'a parlé là et même puis devant. OK, dans moment n'a parlé là et même puis devant. Son situation est extrêmement difficile et m'espérer que gagne des monde qui capable plus ou moins comprendre ça. On va revenir sous l'autre information, mais bon situation tension qui te gagne aujourd'hui dans zone Tiburon. Nous bral garder ça tout à l'heure et comment situation est dans Wanamet. Nous bral essayer garder ça tout à l'heure puisque son situation est qui toujours très très difficile. Mais li et Luis Abinadel qui lui-même fait des déclarations qui dit que et affaire États-Unis, il y a pression, etc. Il même dit que il pas travailler avec personne monde, il travaille avec peuple dominicain et il travaille pour peuple dominicain. Ça veut dire qu'il est américain a parlé de question sucre dans la Romana et ça pas veut dire rien pour lui. Qu'il est haïtien qui a essayé bloquer des espaces, lui même il travaille pour haïtien et il a continué déporter et haïtien qui illégal. C'est ça et monsieur fait qu'on est. Dans ce sens ça, nous allons parler avec Yves Marie Chanel,
Yves-Marie Chanel, c'est journaliste professionnel et qui lui-même tout patron de médias, mais qui suivent tout avec un pile attention situation qui a évolué et dans zone et République dominicaine et situation qui gagne en Haïti en tout. Ah. Dernièrement, nous t'ai parlé avec Yves-Marie Chanel sous est-ce que ça t'a arrivé que nous prenons des décisions, nous fermons les frontières et que nous pas acheter produits dominicains. Et me songe Yves te gagne un commentaire sur question ça, mais ça ne peut qu'on comprendre ou bien ça ne pas de information que moun wana met tabral bloqué et tabral fermer frontière là. Même Jean des moun Belader qui a annoncé à partir de lundi et frontière Belader l'a fermé tout. Yves Marie Chanel, bonsoir, merci parce qu'on a accepté et faites ces choses avec nous à ce soir, vous avez la parole. Bonsoir Henri et bonsoir à tout auditeur, auditrice, vous avez la parole. Yves Marie Chanel, c'était pas prévisible, mais nous constatons un niveau Wanamet, frontière là, li fermé, c'est société civile dans la ville Wanamet qui prend décision ça. Une décision qui dérangeait en pile, selon constat nous, des commerçants dans la ville d'Abon. Bon, en fait, décision qui dérangeait tous les commerçants en Haïti. Tout. Parce que pour les prendre décision ça, il y a un impact plus sur Dominicain, mais il y a un impact sur le côté haïtien. Tout. Dans la situation qui présentait là, d'ailleurs, nous avons pris une décision de bloquer la route nationale numéro 6 là, je dis, peut-être qu'il y a un camion. Nous avons un problème de coordination qui est la question, nous avons pris une décision, nous avons un bon camion haïtien, puisque nous avons une vingtaine de camions qui bloquent du côté de Dabon. Et nous avons des marchandises qui périssent. Donc, nous avons probablement a perdu l'argent tout, parce que nous croyons que t'es gain chou, t'es gain viande ou bien œufs, tout ça et ça. Donc, il a gâté. Donc, c'est une situation qui était sous frontière, qui. Quoi que le gouvernement de Vichy en monde aujourd'hui, qui c'est chef cabinet ministère intérieur, qui a dans la zone là pour aller parler avec mon baron de sa sorti. Nous détendons une interview qui est un manifestant. Te bay nan SINE, li te di li même que yo besoin que magistrat d'Abonnan et Santiago Ribeiron capable vienne présenter excuse devant parce que Ribeiron te fait des déclarations qui très graves côté monsieur te dit que c'est pas même mon quoi qui était Haïti que c'est pas un pays et que son pays qui méritait et une dictature. Donc c'est Santiago Ribeiron, donc il a dit qu'il attend que Ribeiron vienne bailler une excuse avant qu'il ait chita son table négociation avec Dominique sur question. Jeudi, c'est vendredi, l'État doué deuxième jour dans semaine côté qui gagne marché binational, mais nous constater jeudi encore barrière l'irrité fermée. Et où se dit tout à l'heure son situation qui dérangeait tous deux commerçants dans deux Bolilio, Dabon et Souvelé, Trou du Nord notamment, mais pas seulement Trou du Nord, je pense gagné. Non, juste à Paris-Saint, parce que vous connaissez que mon Yobabon peut être presque encore. Donc, approvisionnement majeur qui fait sous département du Nord, maintenant la Tibonite, parce que vous avez la Tibonite, c'est à partir de la frontière de Dabon. Ça a un impact sur le commerce. Pourquoi venir à Haïti d'ailleurs, t'es saisi ou monsieur rentré à Haïti dans le moment ça? Ce que je disais avant hier, Rivet Michel Martelly en Haïti son auto-déportation lié. Parce que, d'ailleurs, mes amis, même pour blague, on paye côté sanction à prendre par si par là. Bon, il y a qui Haïti vient cacher États-Unis, capitaine résidence. Il y a un peu par contre ça qui so connaît même si des gars évoluent en Haïti, bon connaît toute bagaille, c'est États-Unis, lié, c'est Canada, c'est la France, c'est République Dominicaine. Et ça fait dans tout dans coup de 4 cap fait là, un pays qui est important pour moi c'est République Dominicaine, mais tellement bas colle jusqu'à ce que États-Unis qu'on a commencé prendre sanction contre lui tout. Oui, il a attaqué là dans bail sucre brûlé là pour pas qu'à envoyer encore dans pays États-Unis pour pas prendre un an mais il tellement bat colle
façon la traiter travailleur la Cali et puis yo estimé que République Dominicaine yo pas respecté moun yo pas respecté vie moun et Biden et décidé pour yo camper une série de relations avec République Dominicaine pour ça commercial son gros coulier. Ça veut dire que gon paquet nèg qui en Haïti qui a fait cob mais c'est manger Haïti al bouet de l'eau kay voisin. Donc Luis Abinader nous t'a vraiment souhaité monsieur commence à entrer dans la même logique là. Et puis le ça a commencé vinn gen nèg qui vinn gen bon sentiment qui commence à remettre Haïti qui investit en Haïti qui croit en Haïti. Et ça va rien eux. Ça veut dire que terrain Haïti a commencé chaud bon série de nèg. Mais où est l'autre réflexion me fait? Parce que ou on ça passe c'est le gain des blousards dans caill là. Pour qu'on ait combien d'assiettes faïences qui étaient là. Nous vous disons ça. Ça fait quelque temps que je vais nous information ça. Dans l'analyse que je fait. Parce que les balles ont passé mal. Vous n'avez pas vu l'autre. Vous n'avez pas mis les secrets l'autre dehors. Qui ça me dit? Nous me dit que Ariel Henry. Même Jovenel Baron Ariel Henry. C'est Michel Martelly qui imposait Jovenel Ariel. Et ça te fait monsieur plein pouvoir dans mel. Et Ariel pas qu'a dit en yel, tout sa mi qui mandel à vos ordres. Parce que c'est Timoun Martelly mettait là. Il Martelly dit changer, révoquer. Voyez aller, etc. Donc c'est Martelly qui a dirigé. À distance. Et comme Martelly a son nèg, gros blanc, soi-disant zami pays d'Haïti au paradis pour tête, monsieur, eh bien, il a quitté monsieur, continuer comme coach Ariel. Et ça te fait coup Canada, bail là, son gros coulier, son gros coup de désavoual, dis donc, hello, Sully, mais attendez bien. C'est même blanc ça yo qui paraît il forme tête Martelly. Ça supporte elle dans toute dérive li yo. Yo accepté marcher avec Ariel. Mais Jean-Bar la pralé là, blanc yo wayo avili tête yo. Parce que population haïtienne nan tan men wè en bas yo. À travers binu, corps groupe etc. qui pas utile pays a rien. Parce que madame la Lim qui te vine là dans le Conseil des Nations Unies qui dit que création G9 son solution liée au contraire ça diminue l'insécurité dans le pays et puis kidnapping gang multiplié puis raid moun ma ramache. Et bien attendez non le fait que Martelly c'est ami moun yo moun sa yo protéger Ariel par le truchement de son ami Michel Martelly. Yo protéger Ariel Henry. Parce que si y'a des poupées pas ici, Ariel pas là longtemps. Qui ça qui est Ariel? C'est pas peuple haïtien. Son tweet qui est Ariel, oui. Oh, il va blague ma banne, non? Tout ou Ariel a bat col là. Son tweet qui est Ariel, oui. Ariel besoin tweet seulement pour le parler encore, oui. Qui est-ce qui est Bill? Les grands blancs, en particulier les États-Unis. Le département d'État américain ont tweet suffisant pour Ariel parler en gros. Eh bien, qui s'est passé? Je vous dis, il y a sanctions qui t'en prend. Et Canada, États-Unis, qui parlent paraître toute tête li. Et c'est ça pour une bonne intervention en Haïti, oui. Parce que en pile même dans l'ONU, ils parlent prendre charge. Canada, on t'y crasse, gen karenka, mais elle paraît pi devant. Et puis, États-Unis même en backup. Mais elle pa vle paraît tout col. Mais kounya gen moun Canada pren sanction contre yo. C'est t'assemblé États-Unis. Pas de trop problème à moun sa yo. Mais le fait que kounya, li vin douvel non dilemme, li pa kalage patnel, li les autres bils à non tweet. Tenez oui. Tenez bien oui. Le fait que Kounia Canada prend sanction contre une série de nègres, dont Michel Martelly,
Kounia États-Unis trouver le dilemme tout. Parce que le protéger Michel Martelly, monsieur, non le cité comme nèg qui fi dans ces gangs dans pays. Kounia a gain deux possibilités. C'est soit États-Unis d'accord continuer partenariat avec le Canada ou bien li d'accord supporter un chef gang qui c'est Michel Martelly, pas moins dire. Dans reportage là, on dit attendez bien oui, dans reportage là, on dit et Canada lui dit ce n'est qu'à supporter etc action criminelle dans pays. Et les m'attendre des réactions moun yo dou que ça va nouvelle. C'est une confirmation. C'est une confirmation. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que Guinéba n'était toujours à dire nous. Puisque Kounia a gen ti malaise, parole yo a parlé. Par exemple, Ariel Henry. Et gardi ta pour réflexion, Martin, qui presque tombe à plomb. Que m'pap dit jamais monsieur de dire réflexion, mais gen vérité là-dedans. Parce que Laurent Lamotte, pral signaler ça hier avec Valérie Saint-Louis comme salué. Mais moi, m'dis, c'est pas l'émission, pas m'nex, ça va jamais parler. Ou gen sanction pour contrôle au tribunal. Média, la presse, pas tribunal. Mes amis, la presse, suspend la presse, suspend, journaliste, yo. Nous pas avocat, monsieur. Bon, m'attends de Gary, qui me fait pitié pour Gary, oui. M'attends de monsieur. Jodi, m'attends de monsieur, son extrait. Kapè rappelé, aussi Michel Martelly, ben, pas de toute sécurité, ça. Qui est-ce qui met de sécurité, là? Monsieur. N'ap toujours dit, on m'a cherché une compte, mais nous pas de problème, ou, monsieur. N'ap tant de Gary Bierbol Charles, qui me fait mal, oui. Ou pas d'appel comme ça, non, Gary. Ou m'a respect pour vous, comme journaliste, ancien journaliste, ou bagay, mon ou pas d'appel comme ça. Mais alors, on vient de vendre pays là-haut, sous Michel Martelly, pas de tout de sécurité. Qui est-ce qui a dirigé les Martelly? On va te compte ça, Gary. Gros journaliste, ou qui mène enquête, ou pas de compte bagay ça. Ou pas connaître Martelly qui toujours au pouvoir. Ou on se Martelly est responsable de tout bagage dans le pays là, ou pas comme ça? Ah, monsieur, on n'a pas fait ça. Et pas parce que comme si vous avez fait promotion ou bagage, gouvernement la caille, ou bien un chèque bagage, puis l'argent a touché, ou fait propagande, et puis vous avez vint vendre pays à mon sa, ou encore, moi je n'ai pas fait ça. Parce que je me dis, nous, je dis, on campe en contre-attaque. On campe en contre-attaque parce que le pays a bouqué. Et quel que soit Negla, quel que soit Medialier, même si c'est là dans Émancipation FM, m'a dénoncé. Moi, campé en contre-attaque. Parce que nous prenons pays, monsieur, nous participons dans le crime. D'accord avec Arnel Belize qui passe pour un ami à Isaïe César. Pas dans quel moyen pour venir défendre Laurent Lamotte. C'est du vagabondage. Arnel là, monsieur, beaucoup de gens ont fait une belle émission avec lui. Il va. Peut-être Bobo Rimagali, il va faire ça. Mon problème, solo parler, oui. Côté Laurent Lamotte, côté Laurent. Il réagit énormément. Position que m'te gagné yo yo servi avec plateforme yo ensemble avec premier ministre donc pour yo induire que nous voyons là avec yo mais le prochain jour là bien pour ouais ça passé moi même m'étonné moi choqué pour moi que ministre affaires étrangères Généus chita à côté Trudeau et puis pendant a pas annoncé des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres. Et puis, moi, la petite déclaration qu'il a fait. Pendant que c'est Michel Martelly qui pratiquement imposé Ariel Henry by, comme pour une première ministre de pays. Donc, c'est le monde à l'envers. J'ai énormément position que m'te gagné. Yo servi avec plateforme, yo ensemble avec premier ministre, donc pour yo induire sur un erreur. Et c'est là que nous voyons avec yo. Mais, le prochain jour, il y a bien pour nous, ça qui passe. Moi-même, m'étonné, choqué, pour moi, que ministre affaires étrangères, Généus, chita à côté Trudeau, et puis, prenait à pas annoncer des sanctions contre un ancien président avec deux anciens premiers ministres, et puis, moi, la petite déclaration qu'il a fait. Pendant que c'est Michel Martelly, qui pratiquement imposé Ariel Henry, by, comme pour une première ministre de la pays. Donc c'est le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Eh, merci Lolo, on ne te connaît. On ne te connaît. On ne te connaît, on confirme pour nous. On connaît, même les gars. On connaît, on connaît. Bah, il y a l'argent à discuter. Il y a un propos divisé.
Vous comprenez? Et ça me dit, nèg sa yo, c'est le gen ti problème nan kala pou kon tout détail. A pa monsieur di ba la kounya. Nous d'accord avec moi, je me parle cause me baronne non. A pa kounya lolo, dit nous que c'est Michel Martelly pratiquement qui imposé pays à Ariel Henry. Eh bien, attendez bien. Bon bah, monsieur dit là qui attire attention. Attendez, oui. Mais quand il y a monsieur Songe Zalba, je me dis ça avant, mais quand il y a une section contre l'IA, mais ça fait monsieur répéter ça, c'est parce que monsieur remarque, pendant sanction à bail, qui est-ce qu'il a, c'est ministre affaires étrangères, Généus. Je dis ça avant hier. C'est Généus qui l'a, pendant qu'il y a une sanction, oui, côté monsieur, ah, tu viens là, côté monsieur. Mais monsieur là, mais Généus, oui, mais Généus, pendant qu'il y a une sanction contre Nexayo, ancien président, tu es ancien premier ministre, mais Généus, Généus t'es là. C'est ça qui baille l'on a la mort problème. Mais on va comprendre pour un journaliste à poser l'on a la mort question pour le pas jamais qu'à mettre accent. Ouais, bah, il s'en a une émission complète sur les 25 stades, sous aéroport Lila Vache, sous Roche qui était de construire parlement qui coûte, oh, c'est Roche qui piche dans le monde là, oui. 10 millions de dollars, oui. Roche ça a coûté pays, oui. Plus passer 19 millions de dollars, oui, pour te faire l'autre bois, oui, Lila Vache, aéroport, l'agence, nous avons le dit, non? C'est Cabrit qui l'a donné, oui. Ou j'aime donner aux journalistes poser des questions sur ça? Et pas ça, je cherche, je cherche. Où ouais, est l'agent, en fait? Bah, il te parle, bah, il doule, ça va me faire un gratis. L'agent tombe, oui, là. Un pays d'Haïti, c'est un pays difficile. Comment nous imaginer le pays, là? Bon, chercher son ça. Pour m'tende, zami Anel accusé de le Salim Souka là. Bon, même bon fou saisi. Comme nèg sa ou gen journaliste pa yo, gen media pa yo pour dire ça ou vle. Malgré certaines fois, zami, elle pose bon question. Mais on connaît tout, parfois. Ouais, pour protéger boss, ou gonjon ap jere ba yo, comme d'où. On est poussé ou travail comme chef cabinet en premier ministre. Pour zam commandé en Israël, alors que Haïti gen en bago zam sou li. M'pa kwèl dèm levé. Ça veut dire, Anel ou bay menti, non? Monsieur a tenté di Anel ou bay menti, mais Anel de gen vérité dans men lui. Zam nan commandé en Israël, transité par le Canada. Sinon, qui est-ce qui vini? Quand on a cherché français, là, les français, là, dit destinataire, notification, comme si, et où y'a de notifié? Côté, c'est, et où même qui représentant CSPN? Côté chef police, là, dans l'époque, là. Ah, monsieur Bayou, en pile. Comme si c'est monsieur qui est tellement crédible dans le pays, hein, comme juriste. Et puis, c'est lui même qui a notifié. Galileo tombé dans le pays. Aproveite isso. Na busque Galil. Gen youn nan Galil sa yo ta jwenn du Jamaïque. Gen youn yo jwenn kay voisin. Gen plusieurs jwenn là dans la Saline. Et puis Salim Soukadou, c'est pas destinataire non, notification jwenn comme si notifié. Et puis c'est non lui tout pas bien non lui. Ouais, pays ça. Son pays difficile. RFI 8h06, en Haïti, la joie de la population après l'annonce de nouvelles sanctions. Sanctions décidées par le Canada visant des personnes suspectées d'avoir financé les gangs armés qui ravagent le pays et terrorisent la population. La liste s'allonge avec cette fois-ci l'ancien président Michel Martelly ainsi que les ex-premiers ministres Laurent Lamothe et Jean-Henri Séan. Ils ne pourront plus accéder aux comptes et capitaux qu'ils détiennent au Canada. Des ministres en exercice, le président du Sénat, d'anciens parlementaires et des chefs de gang avaient déjà été sanctionnés. En Haïti, les réactions sont enthousiastes, comme a pu le constater notre correspondant Ronel Paul.
La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L'euphorie est presque sur tous les visages. Odiel Petit Frère n'a pas de mots pour exprimer sa joie. Mon cher, je dois te dire que lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis, même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Et aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout... Attendez bien. Amdou, c'est français facile, Rémi Louis. Pas battre col, Amdou, c'est facile. Attendez bien, oui. Quand ça a mis ça, monsieur a dit que même si c'est pas jam officiel, mais son série de bagages nous te connaît déjà. Ça dit, soit le Canada, États-Unis, Abdin là, y aurait laissé en communication les chiens écrasés. Ces bagages nous connaît, c'est bouillon réchauffé, oye. C'est parce que nous pas jamais gen moun qui gen dimension en Haïti, qui te ka osé di nèg sa ou nan gang. Ça oui, zami Abdi là, sous RFI. Et nous, ça, Abdi là, c'est pas jam officiel. Mais ce bagage, nous te connaît déjà. Nous te connaît déjà. Donc, son petit rappel, Canada fait pour nous. Pour le dire, ouais, nèg, ça ou pas jam propre. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui avilitent, yo. C'est eux-mêmes qui dit, on en vole, hein? Donc, la crée musique, les doux, bandit légal, yo, dans la rue. Bandit légal. Pour ça, ça le dit. Pour ça, le va dire universitaire, yo, dans la rue. Pour ça, les bandit légal, les doux. Ça dit, gon plan, de planter là, oui. Ouais, bah, bandit légal, là, puis tout prenant, ben, yannet. Tout bandit légal. De vous légal, ou ka bandit, bandit légal, yo, prend la, vous comprenez? Eh, bandit légal, eh, pas un problème. En avance. Aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout pas Michel Martelly. C'est le chef de gang le plus puissant en Haïti. Oh my god. Non, ça a frappé. Ça a frappé, oui. J'ai dit que, ça pas nouvelle, tout le monde te connaît ça. Il dit, et surtout Michel Martelly, c'est le plus gros chef gang pays à gain. Bon, on est, bon, moi-même, famille Martelly pas à l'aise dans le moment. On va. On est citoyen américain, on est citoyen canadien, on est colombien, on est, mba, ou pas à, sous ce monde, ou gain sans pas à l'aise. Ou pas à l'aise. Vous comprenez? Ou pas capable à l'aise parce que, non, bah, yo grave. RFI, oui, RFI, Radio Mondiale, oui, qui a parlé là. Bon, tout, n'est-ce pas, ça. Hey. Le chef de gang avait déjà été sanctionné. En Haïti, les réactions sont enthousiastes, comme a pu le constater notre correspondant Ronel Paul. La nouvelle est tombée comme un coup de tonnerre en Haïti. L'euphorie est presque sur tous les visages. Odiel Petit Frère n'a pas de mots pour exprimer sa joie. Mon cher, je dois te dire que lorsque j'ai entendu ça, je me suis senti comme la terre sèche au moment où la pluie tombe. Et puis, même si ce n'était pas officiel, c'est des choses que nous savions déjà. Et aujourd'hui, personne ne peut plus le nier, surtout pas Michel Martelly. C'est le chef de gang le plus puissant en Haïti. C'est vrai qu'il est plus puissant que pays. Siménoël n'est pas un reste. Il dit avoir eu la chair de poule après avoir été informé de ces nouvelles sanctions. Pour lui, les personnes ciblées méritent d'être immédiatement chassées du pays. Pour moi-même, les marchés dans tout le monde. Cette nouvelle circule dans toute ma moelle. Maintenant, c'est à la population de se soulever pour saisir les biens de ces malfrats. Parce que le gouvernement actuel, c'est la même équipe. Il ne va pas saisir leurs biens. C'est nous. Correct. Même équipe là. Et ça te fait souhait au dos, Martelly Taguet en quitte Haïti. Pour le temps passé par Saint-Domingue, pour le Panama, il ne doit pas fake. Parce que j'entends des reportages là, autant de le tout. C'est un long reportage passé sous RFI. Il passe sous BBG, il passe sous Ticozac TT. Le monde entier dans d'elle. Et moins doux que une dernière information m'a gagné, c'est une ambassade m'a checké sous lui, m'a dit qu'il y a ambassade m'a checké sous lui, pour m'a faire fly. C'est une ambassade qui t'a demandé Martelly pour le chou la quoi dans le pays parce que y a trop de pression. Son pays difficile. Malfrats,